Il est 7h36 et nous venons tout juste de descendre au petit déjeuner. Ça va pour donc les enfants ont beaucoup de mal à se lever ce matin. Non, c'est obligatoire, la lumière est allumée. Donc, Non, il ne fait pas encore assez. Je pense qu'on va être sombre. C'est la maison, elle est sombre. Hein, donc, même s'il fait jour dehors, des fois. Donc, nous devons nous dépêcher de prendre le petit déjeuner parce que sinon, nous allons être en retard et nous n'avons plus que 25 minutes. Donc, c'est compliqué. Maman, avoir mal au ventre. Alors, est-ce vrai, est-ce du pipeau? Dur de savoir. Finalement, ça va, on est dans les temps. Il est 49, moi j'ai fini mon petit déj, Elsa aussi. Non, il est 50 plus précisément. Comme il papote, donc il mange pas beaucoup. Toi, t'as fini? Ouais, Adam, il a pas mangé beaucoup, mais. J'ai pas envie d'aller à l'école. Oui, ça j'avais bien noté, oui. Ok. Donc, du coup, on va pouvoir monter se préparer. On a Elsa qui est en train de checker les rendez-vous là-bas. Bah quoi? Ma secrétaire. C'est le 14, je crois, ouais. Et le 13 chez l'orthopédiste. 14. Oui, et le 13 chez l'orthopédiste. Ton bras, non, c'est pas ça? On prend des bourmous. Bon, ça va. Secrétaire de choc. Ouais. Bon, j'ai encore pas pris mon pied pour filmer, donc j'ai encore mal au bras. Voilà. Oh, on a un petit Ewok. Quoi? Attends, deux minutes. Deux minutes, Anna. Est-ce que 14h45, docteur Ramey? Ramey, oui, c'est ça, c'est leur professeur. Oh non, c'est bien 13. On va dire rendez-vous le 13. 5. Donc, est-ce que je t'écoute? Non, attends, maman, t'as pas besoin. Non, il n'y a pas besoin de chercher ton pied, tu l'as ton pied. Non, c'est un pied de téléphone. Non, mais le pied télescopique. Ah! Alors, genre, comme qui essaye de faire de l'humour. C'est l'humour. Allez, on rigole, on fait plaisir. Ça crache pas quand même, hein. Il a la bouche pleine et il fait semblant de rien. Ça me fait peur. Déjà, on vient de tilter, enfin, je viens de tilter, que demain nous sommes le 1er mai. Ce qui veut dire que c'est férié. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'activité. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir dormir. C'est pas trop bon. Non, pas dormir. Pas dormir, maman. Pas dormir, maman. Non. Non, mais je l'ai écrit, mais. C'est parce que j'ai pas regardé la date que c'était. Bon, ça y est, nous sommes prêts. Il est 8h20, donc nous allons gentiment mettre nos chaussures. Enfin, les chaussures sont mises pour la plupart. Mais nous allons mettre nos manteaux et partir tranquillement. Donc. J'ai tendance à leur mettre pas mal la pression le matin. Enfin, la pression. Non, je leur mets pas la pression, mais je surveille quand même pas mal l'heure en leur disant dépêchez-vous. Et au final, on part tranquille. Là, ils sont en train de regarder la télé et ils adorent avoir le temps de regarder la télé avant de partir. Donc finalement, c'est un mal pour un bien de les presser un petit peu. Ce matin, j'ai rendez-vous chez le dentiste. J'en suis malade. J'arrête pas d'y penser depuis hier. Le truc, c'est que j'ai mal, en fait, aux dents. Et du coup, je ne sais pas si elle va pouvoir me faire un soin. Alors, si c'est une carie qui me fait mal, elle va forcément me la soigner. Mais si c'est pas une carie, dans ce cas-là, ça veut dire qu'elle va me filer des médocs et qu'elle me fera le soin que la prochaine fois. Donc, à voir. J'ai rendez-vous qu'à 11h en plus, donc j'ai le temps d'angoisser. Là du coup ce matin je pense que je vais déjà quand je vais rentrer le lave-vaisselle sera terminé de tourner, donc du coup c'est moi qui vais me taper de le remplir et de le vider, puisque en fait Elsa vient de débarrasser la table. Mais comme hier soir, en fait c'est compliqué, on a un tableau en fait de roulement pour mettre et débarrasser la table, sauf que en fait ce matin Elsa était normalement de dressage de table et en l'occurrence elle n'a rien dressé du tout. C'est Côme qui est toujours levé le premier en fait, qui a mis la table ce matin. Du coup Elsa l'a débarrassée. Et hier c'était déjà son tour de débarrassage de table. Donc hier soir elle a débarrassé la table. Sauf que comme d'habitude, elle n'a pas mis le lave-vaisselle en route. Du coup ce matin, bah forcément il était à lancer. Donc elle l'a lancé. Alors c'est fait avec beaucoup d'astuces, parce qu'en fait elle le lance
avant qu'on se mette à table. Comme il y en a pour à peu près 45 minutes de cycle, bah comme ça, elle est sûre qu'après manger, elle n'aura pas à le vider ni à le remplir, quoi. Donc, en l'occurrence, ce n'était pas son tour de vider aujourd'hui, mais en fait, ils ont quatre tâches à se répartir. Donc, il y a mettre la table, débarrasser la table, vider le lave-vaisselle. Non, c'est trois d'ailleurs, du coup. Oui, c'est trois. Donc, mettre la table, débarrasser la table et vider le lave-vaisselle. Ça, c'est leur tâche à eux. Le reste, c'est moi qui gère. Et aujourd'hui, c'est donc Elsa qui met la table, Com qui la débarrasse et Adam qui fait le lave-vaisselle. Marceau, lui, il participe un petit peu sans mention, en fait. On ne va pas dire c'est son tour, mais on essaye de le faire participer aussi. Et quand il sera vraiment plus impliqué, on l'inclura dans le planning. Mais il a que 3 ans. Et je me dis, à 3 ans, déjà, je trouve ça très bien qu'il aide à débarrasser le lave-vaisselle quand il les voit faire, ou qu'il les aide à mettre la table quand il les voit faire. Moi, si je lui demande de l'aide là-haut pour aller ranger, il vient m'aider. Enfin, je demande de l'aide en bas, il m'aide. Donc, je lui mets pas la pression par rapport à ça, parce qu'il est volontaire et je pense pas que j'aurais du mal à le motiver comme Adam quand il va grandir. Donc, pour l'instant, je le laisse tranquille. Bon, je vois l'heure qui tourne, donc je vais leur demander de mettre leurs chaussures et nous allons partir à l'école. Je vous reprendrai quand je reviendrai. Je vais essayer ce matin, avant de partir à mon rendez-vous, d'appeler l'office de logement pour la visite de la maison. J'arrive toujours pas à le croire, en fait. Je sais pas. C'est juste, c'est tellement inespéré, en fait. J'y croyais tellement pas qu'en fait j'ai du mal à réaliser que ça puisse m'arriver. Bref, pardon, je vais pas mettre les enfants en retard à l'école. Excusez-moi, j'ai toujours ces problèmes de gorge là, j'en ai ras-le-bol. Malheureusement, ça va pas passer. J'ai moi le nez qui coule, enfin ça m'arrive encore d'avoir le nez qui coule, mais bon, ça va. Mais par contre, la gorge, c'est juste pénible. Bon, sur ce, il faut qu'on y aille. Bon, les amis, ça y est. Je suis rentrée de chez le dentiste. Alors, je sais pas si ça se voit, hein, mais j'ai été clairement anesthésiée de ce côté. Oui, ça se voit, je trouve, quand je parle. Bon, du coup, elle m'a soigné une carie de ce côté-là. Et en fait, ma douleur que j'ai depuis des semaines de ce côté... C'est ma dent de sagesse. Donc, elle est prévue, en fait, dans l'extraction qu'elle a demandé. Sauf que j'ai rendez-vous chez le stomato que le 5 juillet. Donc, elle me dit, faut prendre du Doliprane. Et ben, j'ai pas fini d'en bouffer du Doliprane, je vous le dis, parce que j'ai clairement mal. Et là, en plus, comme elle y a touché, du coup, ça m'a relancé. J'ai hyper mal dans l'oreille. Donc bon, d'un autre côté, j'ai pas mal de ce côté. Honnêtement, je n'ai rien senti. Elle m'a fait une anesthésie bon, qui a duré 3 plombes. Mais elle m'a réconciliée avec le dentiste, là, pour le coup, parce que je crois que vous... Enfin, j'ai beau le dire, hein, mais je pense que vous n'avez pas conscience à quel point, intérieurement, j'ai été angoissée qu'elle touche mes dents, quoi. Et en fait... Bon, déjà, c'est des trucs hyper modernes, hein, dernière technologie, etc. Enfin bref, j'ai été un peu surprise du matériel utilisé, puisque moi, mon dernier dentiste, ça remonte à... Je crois que j'étais enceinte de Com. Ça fait quand même 10 ans, presque. Oui, ça fait 10 ans. Et du coup, il était encore avec les grosses seringues en acier.